bienvenue à tous sur notre nouvelle partie Earth of Iron 4 avec mon camarade Cyril. Salut tout le monde. Bon bah, avant d'enlever la peau, je vais vous montrer vite fait moi sur mon écran ce qui se passe. Donc il y a Sirikai qui a débarqué là-bas avec le Reich et qui s'occupe. En fait, toi, tu fais l'américain d'abord et après tu vas t'occuper du Canada. Ouais, parce que le Canada c'est tellement chiant à prendre qu'une fois que la Merlock aura capitulé, ses divisions seront en lambeaux. Tu traverses en mode autoroute. Voilà. Moi, l'Afrique ça se passe plutôt bien, le Reich ça devrait se passer plutôt bien et il y a juste là-bas de tenir contre le Japonais. Le Japon, ça va pas être très dur, parce que je veux dire, il est quand même assez isolé. Surtout ce con japonais, ben, il apporte où son pétrole et tout des États-Unis, vu qu'il est en guerre contre les États-Unis, il a plus apporté grand-chose. Son économie doit s'écrouler, le pauvre. Ben, on commence à le voir, c'est après tu le vois, c'est comme l'anglais, quoi. L'anglais, il a beau avoir du territoire et tout, il a plus rien. Tu vois l'organisation de ses, enfin pas l'organisation, mais la force de ses armées qui s'effondre. Là, le japonais commence à avoir du mal à avancer. J'envoie les troupes japonaises au casse-pipe contre les anglais. Ça affaiblit Jack. Résistance à l'occupation, faites pas chier. Vous voulez quoi? Libérer une nation. Que si ça allait arriver. Libérer une nation. Pourquoi je ferais ça? Non, j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que je libérerais une nation. Donnez-moi une seule bonne raison de libérer une nation. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Un jour. Le Reich britannique. Ça, c'est une bonne chose que j'ai comme j'ai. C'est une bonne chose que j'ai pas Sing Kyang dans mes. Oh, tes alliés? Ouais. Arrive quand? Oh là là là. Il y a ceux-là aussi, faut peut-être les mettre un mobiliser petit coup aussi. les 3D units. Voilà. Et la jonction. Voilà, comme ça, eux, ils vont être à court d'approvisionnement. Ça, c'est une nouvelle qui en est bien. Je coupe le Canada de deux côtés, histoire de pouvoir reprendre les Amerlocs par le nord. Il y aura tellement de viol. Ça va être interdit moins de 50 ans. Voilà, j'ai isolé 1, 2, 3. La dernière fois que j'ai vu un truc aussi. C'est déjà ça. Eh, honnêtement, pour être sincère, la dernière fois que j'aurais vu un truc aussi interdit au moins 50 ans, ça a été. Qui sont pour un champion hein. Voilà. Je veux dire, honnêtement, les Japs ce ici, mec. Je les ai coupés en deux. Ce mec pourrait être chez les flics. Hein. Tu sais, à poser des questions de manière extrêmement nerveuse. Je suis, tu sais, technique d'interrogatoire, putain, là. Bon, ben voilà, c'est bon signe, les Japs. Mais on sent bien quand même du côté voilà. Japonais qu'il leur manque des ressources. Isolé. Ah bah, j'ai le Japonais veut envoyer des corps expéditionnaires. Mais c'est bien sûr. Je vais prendre donc tes 15 divisions qui sont je sais pas où, mais voilà, qui sont donc en gros dans ton bled et qui vont rester à glander jusqu'à bah, jusqu'à la fin de la guerre en fait. Ah non, elles vont pas autant pour moi. Elles vont au contraire venir. Un japonais qui me file ses troupes. Mais je crois qu'il a pas compris exactement. Il va les
Ah merde, ma recherche. Voyons. 42, non. Ouais. Des nouvelles armes. Tirer plus fort, faire plus de morts. Voilà, c'est toujours bien ce genre de truc. Tuer plus et plus vite possible. L'humanité. Ah, c'est bon, les Japonais, là, je suis en train de les épicouper en deux. Un truc que j'aimerais Ils ont tellement plus voir un jour, d'approvisionnement, ils ont plus rien. un truc que j'aimerais tellement voir un jour, ce serait les militaires accepter de gaspiller des ressources pour construire des méca géants et faire des combats. Ce serait épique. Alors que les militaires s'en foutent de la tronche qu'a l'arme ultime Encore tant fumé qu'elle est du cannabis. efficace. Ah ouais, mais ça, c'est... Bah, c'est comme une fois, t'avais un débat sur ça, sur le mecha, patati, patata. Oh là là, les pauvres japonais, ils arrivent plus, je les ai piqué des pops. Ils ont plus d'organisation, ils se tapent une attrition comme des porcs. Bon, bah les japonais, 3, 4, 5, 6, 7, 7 divisions, 9 divisions éliminées. Bien joué. Là-bas, ça dit quoi? Oh, et j'ai mes renforts qui arrivent là. On les... Ah. Alors, regarde le territoire américain, la belle descente que je suis en train de faire. C'est dégueulasse. T'es tellement en voyage. Voilà. Tu me disais où en Allemagne? En En Amérique, regarde, je fais États-Unis. une belle petite descente là, coucou! C'est pas mal ça. Mais c'est risqué. Mais c'est pas Non, mal. c'est pas risqué du tout, Moi c'est bon là, regarde, je suis c'est en... risqué quand les mecs ont une armée en fait. Pas quand les mecs sont pourris de tous les côtés. Moi je suis en train de relibérer la Mongolie. Bien, bien. Les mecs, je suis en train de... Bah, je les coupe. Ils avancent, je les coupe là-bas, mes mecs. Canada, on est en train de bien couper aussi. Les États-Unis, on serait les bouffer, putain. C'est un crime, là. Enfin, je rappelle que les crimes de guerre, c'est uniquement pour les perdants, pas pour les gagnants. De toute façon, pas te l'apprendre, toi qui es prof d'histoire, hein. Mais voilà. L'histoire est écrite par les vainqueurs. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Les autres, ils sont pas contents, ils avaient qu'à gagner. Voilà. Les autres, ils ont perdu, c'est de leur faute, c'est tout. Ah. On a 4 divisions. Voilà, ok. Maintenant, on retourne là-bas. Donc, les Japonais, je suis en train de calmer un peu leur avancée. Nickel. Là-bas, on est plutôt pas mal. Ici, on est plutôt pas Alors, mal. j'annonce, l'Est du Canada va tomber bientôt. Afrique, ça dit quoi? Normalement, ça doit dire que ça les a défoncés. Ouais, très... Ah non, pourquoi ils y vont pas? Parce que j'ai pas donné l'ordre. Voilà, là ils vont. Oh, c'est beau ça. Le rage. Rage, le rage, le rage. Qu'est-ce qu'on va développer nous? Un peu d'ingénierie, oui, quand même. Non, ça c'est 41, donc c'est un peu trop tôt. 40.
On va chercher le léopard. Le char léger léopard. Bon, bah, les États-Unis, c'est bientôt capitulé, hein. Ils sont à 77% de capitulés. Ah, voilà. Ce pays est dans la merde. Hollande. Ah. Je suis trop con. Je suis trop con. Pourquoi? J'ai oublié, j'ai mes troupes qui sont en train de se branler les couilles depuis 6 mois et j'ai oublié de leur mettre un plan de bataille. Ah oui, dommage. Bon alors, l'Amérique, l'est du Canada est tombé, il n'y a plus qu'à bourrer vers l'ouest. L'Afrique, c'est en mode je te roule dessus. La Sibérie, je pose un gland des fois, je me dis. Voilà, on les coupe en deux. Là-bas, on va éradiquer 3, 4, oh, 3, 4, 5, 6, 7, 11 divisions japonaises. Ça, c'est C'est bon. joli, oui. Là-bas, on est en train d'éliminer 1, 2, 3, et voilà. Ah, c'est bien ça! On relibère mes territoires, t'as nous tout bas la Mongolie. La Finlande, je vais le laisser avancer sur mes territoires tout pourris du nord. Vas-y, va prendre la péninsule de Kola, connard. Je laisse pas prendre Leningrad par contre. Ben, vu comme je suis en train de le défoncer au niveau des. Je rush direction Helsinki là. Je veux dire, si tu prends Helsinki, c'est bon, il est baisé. Il peut faire quoi? Il peut faire quoi? Bah rien. Par pleurer quoi. Il a ses yeux pour pleurer, c'est déjà pas mal. Ça, c'est plutôt pas mal. Berry. On est en train de les épiques défoncer. Là-bas, on est en train d'épiques leur rouler dessus. Vu qu'il n'y a pas de port, il peut rien faire. Économie de guerre, ouais. Alors la côte est La des États-Unis, manpower, c'est on est tombé. bien. Donc je regarde. Ah ouais, d'accord. Ok. Oh, les États-Unis. Ils n'ont pas encore fait leur reddition. Ils sont pas loin, je dis honnêtement. Ils sont aux trois quarts à capituler. Le Canada est pas loin non plus. Pareil, aux trois quarts. Je vais juste prendre quelques villes de plus. Ah, c'est bon, l'orage. On aura fait un truc, à... je te roule dessus. Est-ce qu'on va leur mettre dans la gueule? Voilà. Ici, ah voilà, on va les éradiquer, les Espagnols et les Japonais qui étaient là-bas. Là, on avance tranquillement. Ici, on va nettoyer cette petite zone. Mignon, ils ont plus de ressources. Le gros mignon. Les mecs, ils n'ont pas d'organisation. Ils se bouffent de l'attrition comme des porcs. Von Polo, c'est qui s'est massacré ici dans le. Il fait quoi? Il y a les troupes britanniques. T'as le Japon qui recule putain partout. Ah mais là je l'ai. Ben, j'ai réussi à le contenancer, tu sais, le temps de ramener mes troupes qui étaient en Afrique. Et là maintenant c'est en mode je te roule dessus, quoi. L'orage britannique, c'est. Puis le Japon, en plus, le problème Ouais, c'est qu'il n'y a pareil. plus beaucoup de ressources, ce con. Ah non. Ah non, il dépend de nous. Enfin, il dépendait de nous. Puis ben là, il va plus Là, le dépendre. rage britannique, je vais quitter. Le rage britannique, je vais enfin quitter les montagnes. Tu vas pouvoir descendre les plaines, là ça va être marrant.
Gaza, c'est long et chiant parce que putain, il y a tellement de trucs à prendre. Il y a beaucoup de territoires. Le problème, c'est que il y a pas mal de points de victoire. Ils ont pas beaucoup de villes, c'est con. C'est ça, Gaza, Canada? ça qui est chiant. Ah bah le Canada, Pour le faire tomber. est peut-être un des pays, le Canada. Bon, j'ai une priorité pour conquérir la Ah! Norvège jusqu'au 10 janvier 42. Je pense que la guerre sera finie avant. Ouais, je pense aussi, ouais. Oh, les pauvres Finnois, ils ont même pas commencé à avancer dans mon territoire. Bah, pas de soucis, les gars, faites-vous plaisir, hein, je vais vous défoncer. Et à l'issue de ça, votre nouvel ordre d'assaut, ce sera aller de là à là. Comme ça. J'ai une division de SS qui se fait chier, donc Voilà. j'ai des divisions motorisées, je vais les faire rusher vers le Canada, la capitale du Canada, je veux dire. Ils vont traverser tout le territoire américain, et bon, il y a tellement plus de troupes en fait, que les mecs ils peuvent faire ils vont faire un road trip, tu vois. Le road trip des SS, depuis les États-Unis jusqu'à Vancouver. Wouah! Donc là, ce sera le road trip des mecs en blouson noir, mais pas en moto. Bon, ici ça me dit quoi? Ça me dit ils ont plus de ressources, ils sont encerclés, ils ont l'organisation qui font comme neige au soleil. Enfin, non. Voilà. Façon de parler. Le Japon, ça me dit quoi? Ça me dit qu'on est plutôt pas mal. Voilà, ici on va les over-éradiquer. Ensuite, j'ai re-6 divisions qui se rajoutent à la liste. Et en plus, c'est que mes divisions, entre guillemets, tu sais, pas entraînées, pas rien, là. Ouais, Encore mes vraies divisions, tu sais, full effectif, full tout, quoi. je vois. Pas de défense. Infrastructure et fort. Ça peut être pas mal, ça. Formation en nature. J'entends exécuter l'ordre. Ah bah, oh là là, ce massacre. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Bien divisions. sûr que t'es, il va pas faire de conneries. Avec 3 divisions, je vais massacrer 5, 6, 1, 3, 9, 10. Je vais massacrer 12, 13 divisions japonaises. Pas mal, pas mal. 14. 14 divisions avec 3 divisions. Les mecs, ils sont au fin fond de la Sibérie. Ils ont plus de soutien à la logistique. Et je leur roule dessus avec mon général 6 étoiles, combat en montagne. Qu'est-ce qu'il a d'autre encore? Desert Fox, combat en montagne, Panzer Leader. Alors, Ils c'est me le mec qui est disent. quand même Desert Fox et combat en montagne. Le mec sait tout faire. Le mec, tu m'étonnes. Ouais, il sait tout faire. Lui, il fait le café et le ménage aussi, hein, tant qu'à faire. Un fou. Mes 38 divisions là-bas. On va rocher Dallas. Ah. On est comme 40, putain. Ah ouais? On va bourrer tellement comme des sauvages. C'est magnifique. Ah mais grave, hein? Voilà, ah Appelle bah aux ouais, armes du je crois qu'on Japon, va quand on te dit d'être fait construire. Où enculer. est-ce que j'ai. Ah, viens m'aider, s'il te plaît, viens m'aider. Suce ma bite, par paquet Ah de bah 10. jamais, Mais jamais, arrête, jamais. t'es méchant! Le Finnois, je suis en train de le Le défoncer. Japon, je pense que t'as pas compris, t'as touché à quelqu'un qu'il fallait pas toucher en fait. T'as fait de la merde, mais t'assumes maintenant, mon con. Atomique Tu vas prendre ça, toi? Ouais. 33. Oh, j'ai déjà fait. Ah, la radio serait pas mal, ça. On part chercher la radio. Bon, on se déplace encore en signe de fumée. Enfin, on communique en signe de fumée en Russie. Parce que fumée tue. On m'a dit, si t'envoies des signaux de fumée, tu vas tuer les gens. Ah, il y a la Belgique aussi dans les alliés. Merde, j'avais Elle pas est pris ça en conquise. compte. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je pensais que la frontière, tu sais, ça allait couper la frontière, mais en fait, ça fait que ça fait un gros front en Ouais. Afrique. Je veux dire, vu que ça a capitulé, il va pas se prendre la tête, hein.
Hop, il y a eu le tung-tung de fin d'épisode. Donc voilà, on va s'arrêter là les gens, hein. On vous dit donc à demain pour la suite de la série. Ciao tout le monde! Salut tout le monde.